d'eau sur le travail. Si on ramène trop d'eau avec le pinceau, ça crée une auréole. De toute façon, vous allez voir comment ça se passe. La musique. Si la tremble, c'est parce que je stresse un peu. Ça va passer. Je vous mets votre palette déjà. Donc en fait, le papier aquarelle qui est intéressant, là je ne l'ai pas fait. Parce que au final, j'ai pas eu trop le temps. L'idéal c'est de faire ce que je fais, mais surtout le papier. Soit avant, soit après votre dessin. Humidifiez tout votre papier bien encollé. Il va. Il va gondoler très fort, ce qui est normal. Mais après, le fait qu'il soit tendu, la fibre de cellulose va se resserrer déjà une fois. Ce qui fait que quand vous allez travailler à grande eau après, il va déjà moins gondoler. Le fait qu'il gondole le papier, ça emmène la couleur dans certains creux. Donc parfois, elle va rester et on n'a pas trop envie qu'elle reste là. Donc le but d'une humidification première, c'est vraiment qu'il gondole très fort une première fois, que la cellulose se retende, et puis après, on peut travailler beaucoup plus rapidement, quoi, si je ne l'ai pas fait. Bon, comme je vous disais tout à l'heure, moi je travaille les couleurs pures. Je laisse mélanger sur le papier parce que bah, j'ai quelques années d'expérience et que c'est pas trop un problème avec vous pour gérer. Et quand tu colles alors? Ah oui, non. Là, vous voyez, c'est quand même des effets vachement sympas. Là, avec un pinceau un peu sec, je vais venir un petit peu. Hop. Je peux travailler sous des bords, on va tourner un peu de couleur. Ah oui, le. Une couleur différente. Toujours transparente. Et là, c'est une transparente, mais par contre, elle contient déjà un petit peu de noir. Mais elle reste transparente, c'est-à-dire que la charge n'est pas trop importante. Quoi. Oui, c'est bien, je mesure à midi comme ça, il mange à midi. Bon, une fois que je pose la couleur, j'essaye de plus trop venir retoucher après. Vous laissez l'effet de diffusion vraiment s'y passer tranquillement. Parce que si je fais si je touche trop à la matière, en fait, je perds ce bel effet de diffusion. Là, je vais ramener un petit peu le pigment pour qu'il se redensifie en bas, que ça fasse un joli dégradé. Poser une petite zone. Hop. Il est là, il joue ensemble, donc un peu de son. Que les choses ne soient pas trop détachées les unes des autres, en fait. Hein. On essaie toujours de garder un peu d'unité. Bon, comme c'est la première couche, on peut se permettre des petites choses comme ça. Ça fuse un peu. Mais il ne faut pas non plus que le pigment charge trop là. Par exemple, c'est bon, ça diffuse un peu. Ce que je vais faire, c'est que je vais repousser la couleur avec de l'eau. C'est là qu'on peut très bien revenir aussi. Et là, je recrée un effet. Donc on peut s'amuser comme ça indéfiniment. Il faut qu'on ne charge pas trop. Je n'étais pas là au début, il faut d'abord faire son dessin au crayon avant. J'ai fait un petit dessin au crayon. Oui, oui. C'est toujours mieux parce que partir à l'aventure au départ, c'est pas évident. Donc, il dessine trop les blancs et donc on a l'impression que c'est un petit peu voilà, je sais pas naturel exactement, très utilisé en graphisme. Après, pour s'amuser sur des choses abstraites, c'est vachement bien parce que moi je fais des projections à la brosse à dents avec de la gomme liquide et puis après je fais des fonds étoilés un petit peu. C'est si je noie bien la zone, je laisse un petit peu venir la lumière là, simulant que la lumière vient de ce côté-là. Toujours pour rester
En plus de luminosité, ce que vous pouvez faire, c'est carrément, par exemple, d'une teinte uniforme, faire un fond tout à fait uniforme, comme un ocre ou un terre de sienne. Ce qui permet, après, d'avoir une espèce de luminosité d'atmosphère. Turner, peintre 19e anglais, utilisait beaucoup cette technique en aquarelle. C'est un des premiers vrais aquarellistes. Et sur ses vues de Venise,